Je crois qu'on s'est vu hier soir sur la croisette. Si, tu me demandais de la weed. Ah oui. Exact. Le Festival de Cannes est la grand-messe rituelle d'un chiisme spontané, une ségrégation assumée et volontaire. Deux groupes de fanatiques bien distincts s'opposent et ne se mélangent jamais. Les idolâtres et les idoles. Les idolâtres sont des badauds en lévitation béat. Vous avez vu qui là? Personne? Vous avez vu quelqu'un? Personne. Vous avez vu personne pour l'instant? Non. Ouais, on s'en fout des stars. Genre qui? Je sais pas, n'importe qui. Quel est le kiff de voir des stars? Prenez là en fait. C'est vrai, c'est une perte de temps. Ils n'attendent personne. Ou Vincent Pérez? Non. Vincent Pérez, ouais, j'ai retrouvé. Vincent Pérez. Vincent Pérez. Au moins une seule personne, vous choisiriez qui? Ah bah moi, Platini. Canette. Ma goût du luxe. Combien je dois? 2,50. Et B? Il est sous les mains, c'est où? Ça c'est une blague raciste, monsieur. L'objet de leur culte, les idoles. Des vaudeurs en top. Qui c'est? J'ai fait des conneries, on en fait tous. Parfois ça éclabousse, ça mousse et certains plus. Un bisou. Grosse part. J'ai rien à prendre. C'est une bradouille, ça. Il est pas là, Brad Pitt. Vous n'avez pas pécho de la star? Ça veut dire quoi, pécho? Ah, s'il y avait le cousin de DJ Snack. Pourquoi? Qui c'est ce DJ là? C'est lui qui chante. Oui, vous êtes d'accord? Toutes les musiques qu'il y a en ce moment, toi, un peu qui bouge un petit peu, c'est lui qui les fait. Voilà. Lui qui les fait. Elles vous ont plus les grosses. Ouais, bande de salopes, ouais. La lutte contre l'apartheid ne peut se faire que par l'imposture. Vous allez où? Là, je vais à l'hôtel. Vous avez un bol? Ah non, mais moi je suis star. Madame, vous avez la clé de votre chambre au moins? Évidemment, chambre 306. Ok, montre-moi la clé. Ça vous va ou pas? C'est ça la vraie vie en fait. La vraie vie, il n'y a pas de barrière. Ambassadrice des picassettes et de l'incruste, ma démarche a une dimension prophétique. Réconcilier idole et idolâtre, pour remonter depuis la grotte souterraine jusque vers le soleil. Dans ce dédale de célébrités, chacun brille de sa lumière. Du rap comique? Oui. Vous pouvez nous faire une petite démo? Mon rap est tellement violent, plus violent qu'un cerf-volant. Mon rap est tellement violent, plus violent qu'un cerf-volant. Mais il ne faut jamais perdre de vue que sur le plus grand trône du monde, on n'est jamais assis que sur son cul.